Nous démarrons cette édition par cette triste nouvelle. Lola Kisanga s'est éteint cet après-midi à Kinshasa, à l'hôpital Semka. Des sources concordantes, il serait décédé du coronavirus. Pour rappel, Lola Kisanga est sénateur FCC, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ancien gouverneur de la province orientale. Sa dernière sortie médiatique a été marquée par sa prise de position sur les consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, des pourparlers auxquels il a pris part et a soutenu. Je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne sensée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble, de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions mettre notre pays sur la bonne voie, la voie que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays.